Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, ce lundi 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Suivons le récit de Yacine Dia. Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nombreux sont celles et ceux qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour pour la Saint-Valentin. À l'origine, la Saint-Valentin est issue de fêtes romaines de purification célébrées à la mi-février. À cette occasion, les amoureux ont pris l'habitude de s'échanger des messages tendres, des petits cadeaux et de partager un repas en amoureux. Les cadeaux de Saint-Valentin traditionnels sont les cartes, les mots tendres, les chocolats et les fleurs. Mais tous les cadeaux sont permis pour magnifier son amour. Cette fête donne aux amoureux l'occasion de mettre à l'honneur leur couple et l'amour qu'ils ressentent pour leur conjoint, de prendre du temps à deux, de faire plaisir à l'autre et de lui apporter quelques marques d'affection. Yacine Dia, bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Parlons à présent de la lecture qui permet aux jeunes non seulement d'acquérir de la connaissance, mais également de mettre en pratique leur savoir pour être parmi les élites et les leaders dans tous les domaines de la connaissance. C'est un reportage signé Bakary Dembassi. De plus en plus, les jeunes s'adonnent à la lecture, une manière pour eux d'acquérir non seulement des connaissances, mais également de construire leur monde à travers les multitudes d'enseignements tirés de ses écrits. Les gens ont un rapport pédagogique et affectif avec le livre. Les gens vont aller en librairie acheter un livre simplement parce qu'ils en ont besoin pour passer leur examen, ils en ont besoin pour rédiger leur mémoire s'ils sont en année de master ou en année de thèse, ou bien voilà, il faut qu'ils aient leur manuel pour pouvoir réussir aux examens. L'autre rapport affectif que les gens ont avec le livre, c'est parce que je vais acheter le livre de Monsieur Ba parce que Monsieur Ba est mon ami, Monsieur Ba est mon parent, Monsieur Ba est mon collègue et j'ai envie de le soutenir, j'ai envie de savoir ce qu'il a écrit. L'évolution de la technologie a permis à la jeunesse de pouvoir faire recours aux livres numériques, mais cela n'empêche en rien aux livres papier de continuer de faire leur chemin. Ce n'est pas une menace, c'est une évolution normale des choses. Le livre papier que nous avons là, que nous avons autour de nous, le livre n'a pas toujours été comme ça. Et maintenant, nous avons enclenché la révolution numérique. Nos enfants qui aujourd'hui naissent et nos petits-enfants naissent avec les tablettes et les smartphones à la main. C'est tout à fait normal que dans le monde numérique dans lequel nous allons, le livre va continuer à exister, mais n'existera pas sous son format papier, mais va exister sous son format numérique, mais c'est toujours le livre. Docteur Diallo se félicite de la ruée des jeunes intellectuels vers l'écriture et les encourage. Je préfère un jeune qui s'essaye à l'écriture, qui se bonifie au fur et à mesure qu'un jeune qui ne s'intéresse absolument pas du tout au livre et à la lecture. La preuve, parmi les derniers livres que nous avons reçus, qui ont été primés, figurent des livres de jeunes qui ont moins de 30 ans. Et notamment, on a
dans le cadre de cette politique de donner la chance aux jeunes, nous avons réussi à faire émerger des jeunes qui caracolent au niveau des prix littéraires en Afrique. Je peux donner seulement l'exemple, par exemple, de quelqu'un comme Khalil Diallo, dont les deux livres ont été primés. Les jeunes et les livres, une affaire d'amour, la lecture leur permet d'améliorer leur niveau de français afin d'atteindre le plus haut sommet de la connaissance. Bakary Demba Sy, le livre qui permet l'acquisition des connaissances. Direction Tambacounda pour parler de la maison médicale de Sintia, située à 60 km de Tambacounda. Cette œuvre de l'association Kinkiliba est une manière de répondre à la forte demande sociale des populations de cette localité. Suivons ce reportage. L'association Kinkiliba a commencé à intervenir dans le Sénégal oriental depuis 1998. Ses réalisations sont aujourd'hui tangibles dans les domaines de l'éducation ou encore de la santé. C'est l'exemple de cette maison médicale de Sintian, située à 60 km de Tambacounda, construite en 2000. C'est une zone reculée et il y a la difficulté pour aller en ville. Donc créer une maison médicale en plus, c'est apporter des soins de qualité à moindre coût. C'est ça l'objectif de la maison médicale. Et quand nous sommes là, nous avons constaté qu'il y a une demande très forte de cette population en termes de prise en charge de leurs propres problèmes de santé. Pour répondre à cette forte demande des populations rurales, Kinkiliba a soutenu la construction et l'équipement des maisons médicales des villages de Ouassadou, de Touba, de Kunkun et de Fass. Actuellement, nous avons 4 maisons médicales, gérées par le personnel pour apporter donc vraiment des soins de qualité à ces populations démunies d'une part, mais aussi très reculées, dans une zone très enclavée. Donc c'est ça. Et nous remercions, par exemple, les initiateurs de ça, qui est le Kinkiliba. Le Kinkiliba a beaucoup, beaucoup, beaucoup agi dans le cadre de la protection maternelle et infantile et dans le cadre de l'éradication de certaines maladies par les moyens de protection. L'association Kinkiliba a également beaucoup fait dans le domaine de l'éducation des jeunes. En atteste ce foyer des jeunes filles qui est aujourd'hui une référence à Tambacounda. On a construit ça et il y a ici aujourd'hui 145 jeunes filles qui font leurs études jusqu'au bac. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir appris très récemment qu'une université est en construction juste à côté et que maintenant on pourra les héberger jusqu'à la fin des études supérieures. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés d'agrandir ici. Mais c'est mon bonheur de voir ça. À quelques kilomètres d'ici, c'est l'autre foyer réservé aux jeunes garçons. Il est aujourd'hui à l'arrêt, mais l'objectif de Kinkiliba est de le reconstruire avec la ferme Tilo Tilo de 20 hectares qui se trouve à Ouassadou. Merci Tidiane Cissé pour ce reportage. L'association Kinkiliba qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation mais également de la santé. La géomatique, qui est une discipline qui regroupe l'ensemble des outils et des méthodes permettant d'acquérir et de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. Elle est étroitement liée à l'informatique géographique. Suivons le récit de Yassinja. La géomatique, une discipline regroupant les pratiques, méthodes et technologies qui permettent de collecter, analyser et diffuser des données géographiques, a pour objectif final la représentation spatiale des données récoltées pour identifier, représenter et démontrer les résultats d'analyse statistique. De ce fait, la géomatique apporte un nouvel axe d'analyse à vos données qui, jusqu'à présent, n'étaient analysées qu'en deux dimensions. Auparavant réservée à des spécialistes, elle est aujourd'hui accessible à de nombreux utilisateurs travaillant dans différents secteurs de l'activité économique. La géomatique n'offre pas seulement des représentations des éléments et des phénomènes naturels, elle permet aussi la représentation des infrastructures et des activités humaines, sociales et économiques. Les systèmes d'information géographique tiennent une place centrale dans la géomatique puisqu'ils sont les outils informatiques permettant la représentation et l'analyse des données. À la croisée de la géographie et de l'informatique, le géomaticien exploite les données pour modéliser le territoire. Il intervient dans tous les secteurs qui ont besoin d'analyse
spatial, urbanisme, environnement, transport, énergie et marketing. L'un des avantages de la géomatique est qu'elle permet de superposer différentes couches d'informations et ainsi mieux comprendre les enjeux et les préoccupations des acteurs du milieu. Merci Yacine Diagne pour ce récit et pour parler de la géomatique que nous recevons sur ce plateau, M. Younous Ben Badji. Il est directeur exécutif de Earth Géomatique. Oui. Bonjour M. Badji. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, merci. Alors, nous voulons de suivre le récit de Yacine Diagne qui nous parle de la géomatique en général. C'est quoi la géomatique? Donc, merci pour cette invitation déjà. Donc, la géomatique, c'est la géographie informatisée. Donc, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, dans géomatique, on a géographie et matique informatique. Donc, c'est la géographie informatisée. Et quand on parle de la géographie informatisée, il y a la cartographie, il y a la territorialisation. Mmh. Il y a beaucoup de domaines d'intervention qui s'activent dans le domaine de la géomatique. Quelle est la place de l'urbanisme dans cette géomatique? La cartographie, c'est un produit fini. Hein. Donc, dans la géomatique, nous avons les systèmes d'information géographique, nous avons la photogrammétrie, la télédétection et enfin la cartographie. Maintenant, cette géomatique-là, on peut, comme j'ai dit, c'est une prise de décision, on peut la mettre dans, par exemple, la territorialisation, l'urbanisme, la santé, le transport, entre autres, environnement. D'accord. Donc, la géomatique peut aider, par exemple, dans ce qui est urbanisme, nous avons les remembrements, le lotissement, qui peut se faire. Donc, avec la géomatique, nous pouvons acquérir des données, donc les traiter, analyser, et enfin les diffuser afin d'aider ces preneurs de décisions à prendre les décisions adéquates pour telle ou telle chose. Et en parlant des preneurs de décisions, on a constaté qu'il y a les élections locales qui sont passées et qu'on est en train d'installer les maires. Mmh. En quoi cette géomatique pourrait aider ces municipalités? Oui, dans la gouvernance locale, excusez-moi. Donc la géomatique aussi est très importante puisque avec l'octroi de la décentralisation, il y a des compétences qui ont été transférées. Donc la géomatique aide aussi dans tout ce qui est potentialité foncière ou fiscale à mieux maîtriser et connaître par ces maires-là. Donc ce qui fait que avec l'acquisition de données qu'on a dit, l'acquisition de données spatiales, nous pouvons dire à tel ou tel maire que votre localité regorge de telles potentialités foncières. Concernant la fiscalité, vous pouvez faire ceci, ceci, cela. Mais parce qu'il y a des analyses et des traitements qui se font en amont avant de donner les décisions qu'il faut prendre. Et quels sont les outils que vous utilisez pour aboutir à ces données? Donc, beaucoup, par exemple, nous avons les logiciels de cartographes qui sont là, mais aussi avec les drones, récemment, nous avons l'acquisition d'images satellitaires, mais aussi avec des GPS différentiels pour la topographie et connaître le territoire, en fait. D'accord. Quand on parle d'atouts par rapport à la géomatique, on parle de l'importance de la géomatique en général. Mais quelles sont ses fonctionnalités? Alors, les fonctionnalités de la géomatique sont assez larges, d'accord. Nous avons, je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle les 5 A. Nous avons l'acquisition, l'abstraction, le traitement, la diffusion, d'accord, des données spatiales qui sont là. C'est un peu les fonctionnalités de la géomatique. Quel est l'intérêt de la géomatique dans le domaine de l'environnement également? Dans le domaine de l'environnement, par exemple, si je donne un cas, dans tout ce qui est étude d'impact environnemental, la géomatique aide dans tout ce qui est cartographie, dans tout ce qui est traitement d'image, mais aussi dans tout ce qui est aspect, par exemple... Par exemple, pour résoudre les problèmes des inondations dans la banlieue de Carroise. D'accord. Par exemple, quel serait l'apport de la géomatique dans cette résolution de ce problème? D'accord. Dans ce cas de figure, ce qu'on fait d'habitude, c'est faire d'abord un état des lieux. D'accord. Et dans cet état des lieux, on peut connaître les zones les plus basses qu'il y a. Là aussi, il y a plus de possibilité d'avoir des flaques d'eau, par exemple. Ensuite, même dans ces flaques d'eau, voir s'il y a des larves ou pas. D'accord. Et ensuite, faire une diffusion pour dire que, par exemple, si là, il y a des flaques d'eau, éventuellement, pour la lutte de ces inondations, on peut mettre ici des canalisations qui vont aider à évacuer l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup de géomaticiens au Sénégal?
au Sénégal. Bon, depuis quelques années quand même, voilà, il commence à éclore beaucoup de géomaticiens, puisque dans le plan national de la géomatique, initié par les Canadiens, parce qu'il faut dire aussi qu'au Canada, la géomatique est assez développée. Et bon, voilà, il y a un plan qui est là, il y a des écoles de formation qui ont été créées. Donc maintenant, pour formaliser aussi, il y a l'association des professionnels de la géomatique qui est au Sénégal, qui essaie d'être en partenariat avec certaines entreprises pour pouvoir au moins faire connaître déjà la géomatique, mais aussi les étudiants qui sortent fraîchement des écoles de formation puissent avoir, prétendre à un boulot. Maintenant, le plan stratégique, la géomatique, un plan qui est très stratégique, mm-hmm. En quoi consiste ce plan? Alors, le plan consiste déjà à se faire connaître, d'accord, par le public, parce que bon, la géomatique n'est pas assez connue, mais aussi à se faire adopter par les entreprises, conscientiser les gens que la géomatique est assez importante dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des transports, de la santé et tout. J'ai vu tantôt dans le reportage au niveau de la santé, par exemple, la géomatique pour la COVID-19 a beaucoup œuvré dans tout ce qui est statistique, sortir au niveau de la cartographie. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans tous les domaines, on a besoin de la géomatique? Absolument, absolument. Dans beaucoup, je ne dirais pas tous les domaines, mais à peu près, je peux vraiment vous dire que dans beaucoup de domaines, la géomatique peut être un fer de lance pour l'exécution de tel ou tel projet. Donc, j'ai dit que c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, dans les transports, par exemple, pour la congestion des transports, par exemple, on peut aider à faire ceci, ceci, cela. Donc, dans l'environnement, idem, dans l'aménagement et dans l'urbanisme. Alors, quand on parle de la géomatique, on sait des avantages de la géomatique dans plusieurs domaines que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Mm-hmm. Maintenant, quels sont les problèmes que vous rencontrez au cours de l'exécution de ces tâches? D'accord. Donc, les problèmes, entre autres, c'est déjà la méconnaissance de la géomatique, d'accord, et que des fois, dans l'exécution du travail, des fois, on peut avoir des populations, des fois, qui comprennent pas nous ce qu'on est venu faire dans tel ou tel lieu, par exemple, et des fois, on est... Et vous arrivez d'intervenir et que la population vienne à l'assaut, vous créez des problèmes et tout ça? Absolument, ça nous est arrivé plusieurs fois, et voilà, on essaie de les expliquer, ou bien de faire appel aux commanditaires pour qu'ils puissent passer le message avant que nous venions. Mais est-ce qu'au préalable, il ne fallait pas sensibiliser la population, ou bien, si c'est une commune qui est précise où vous devrez intervenir, essayer de parler, de sensibiliser, d'informer avant d'agir quand même? Absolument, absolument. C'est ce qui devrait être fait. Mais bon, des fois, c'est comme j'ai dit, c'est commanditaire de le faire. Donc nous, quand on vient, on dit que naturellement, c'est déjà fait. Des fois, c'est quand on commence à exécuter la mission qu'on se rend compte que, voilà, on n'a pas été dit que... Il n'a pas été dit qu'on venait, en fait. Alors, quel est le message que vous donnez à ces jeunes qui voudraient embrasser cette filière qui est la géomatique? D'accord, donc le message est clair, hein, c'est d'abord la maîtrise donc, de la connaissance, mais aussi leur dire qu'il faut vraiment entreprendre, d'accord. Moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde, donc entreprendre, se faire connaître, dire que voilà, je peux faire ceci, ceci, cela, offrir des services pour vraiment que la géomatique puisse être connue par tout le monde et adoptée par tout le monde aussi. Et également pratiquer les 5 A que vous venez d'évoquer, l'acquisition et tout ça dans ces domaines. Oui. Quel est l'apport dans l'application de cette géomatique? Donc l'apport est assez conséquent, hein, comme j'ai dit. C'est-à-dire pour n'importe quel domaine que vous dites, c'est-à-dire nous on permet d'avoir à la personne de connaître donc, le spatial qui est là, donc, et on peut de lui conseiller à prendre les bonnes décisions. Donc si vous prenez exemple, vous avez dit l'urbanisme ici. Donc dans l'urbanisme, il y a ce qu'on appelle la restructuration, le lotissement et le remembrement. Donc avec la géomatique là, nous on aide plus ces urbanistes là à connaître le spatial qui est là, d'accord, à travers soit ces drones. Mais dans un temps record qui est précis. Absolument, absolument, dans un temps record, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, comme les drones par exemple, donc on peut couvrir des beaucoup d'hectares. En quelques minutes. Oui. Alors, Monsieur Ben Younous Ben Badji, oui. Je vous remercie. Votre mot de la fin? Alors, déjà vous remercier pour l'invitation, mais aussi dire aux parents vraiment de s'intéresser à la géomatique, et parce que
C'est un métier d'avenir. La géomatique fait partie des 10 métiers d'avenir dans le monde. Donc, d'ailleurs, qui a été développé au Canada quand même. Absolument, absolument. C'est très développé au Canada, la géomatique. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait au Sénégal et tout. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Je vous remercie, M. Younous Ben Badji. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions en entretien avec M. Younous Ben Badji. Il est le directeur exécutif de Earth Géomatique. Parlons à présent du sport pour terminer. Basket chez les filles, démarrage du championnat d'Erclé Basket Loisir Club est allé à Ziguinchor battre le CEMT Basket Club sur le score 37 à 29. Une belle rencontre devant un public venu nombreux supporter le club de Ziguinchor. Reportage Abdoulaziz Bane. Face à Derkle Basket Loisir, club de CMT de Ziguinchor a pour ambition de remporter ce premier match à domicile pour bien entamer ce début de saison. Dans les deux premiers quart-temps de cette première période, les deux formations font jeu égal. Face à des Ziguinchoroises du CMT Basket Club maladroite, les joueuses de Debalop en profitent pour être devant au tableau d'affichage. À la pause, deux points séparent les deux équipes, 12 à 14 pour Debalop. À la reprise, les deux équipes offrent un beau spectacle au public. Les joueuses de Derkle Basket Club creusent l'écart petit à petit. Déterminées à ne pas perdre cette rencontre, les joueuses du CMT font tout pour revenir à égalité et même devancer leurs adversaires du jour. Debalok résiste et finit par gagner le match par 8 points d'écart, 29 à 37 pour le club dakarois. C'est vraiment un match extrêmement difficile. Cela nous a pas surpris. On s'attendait à ce genre de match. Et encore plus difficile que ça. C'était un match vraiment très équilibré, haché par moments, okay, mais que nous avons su gérer en deuxième mi-temps. Donc, ayant vraiment l'autre section qui est vraiment beaucoup plus réglementaire, nous avons pu quand même scorer donc, en deuxième mi-temps donc, et gérer le score. Je pense qu'on a joué notre premier match, vu qu'on a pêché au niveau des tirs primés, aussi au niveau des paniers fixés. On a beaucoup retraité, même dans notre propre terrain. Je pense que les choses à retravailler. C'est notre première journée, donc on doit continuer à travailler pour parvenir à des résultats meilleurs. Nous sommes des équipes qui viennent de monter en première division. Pas trop d'expérience, parce qu'on a eu l'expérience l'année du Covid et l'année passée. Donc je pense que ce que je dis, c'est ça. On a beaucoup raté de paniers faciles et de tirs primés. Ça nous a coûté très cher. Pour le CMT Basket Club, il s'agira de se relever de cette défaite pour bien préparer les échéances à venir et surtout atteindre l'objectif qui est de se maintenir dans l'élite. Merci Abdoulaziz Ban. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir.